À 37 ans, Christophe Durand, grand champion handisport français de tennis de table, a tout gagné, tout ou presque. Champion de France, champion d'Europe, double champion paralympique et médaillé d'or au championnat du monde par équipe, il ne lui manque qu'un titre mondial en simple pour compléter son extraordinaire palmarès. Cette médaille d'or, il est bien décidé d'aller la chercher à Gwangju, en Corée du Sud, où se dérouleront ses derniers championnats du monde. Après, il mettra un terme à sa carrière de sportif de haut niveau pour se consacrer entièrement à sa nouvelle vie. Retour sur la vie d'un passionné de sport dont le courage et la détermination lui ont permis de gravir des montagnes. Moi, dès 9 ans, j'ai aimé faire du sport. C'est... Pourquoi je dis 9 ans? Parce que c'est la période où je suis arrivé à Lyon, en fait. Avant, je m'aimais m'amuser, quoi. J'aimais faire le con, tu vois. En plus, voilà, t'es handicapé, t'as 5, 6, 7 ans. Tu te dis, ouais, y a tellement de problèmes, y a tellement de... j'ai vécu tellement de moments difficiles, toutes les opérations et tout. Dès que tu peux faire un peu le con, tu fais le con, quoi. Mais après, moi, dès que je suis arrivé à Lyon, dans le centre, là, à Bron, là, enfin, dans le 8e, ils proposaient du sport et j'ai fait du sport tous les jours, tout le temps. J'ai fait du sport. Et c'est vraiment le truc qui m'a... Alors, je sais pas si c'est le goût de l'effort physique, tu vois, le dépassement de soi. Puisque c'était pas forcément de la compète au départ, c'était plus d'avoir la caisse, quoi, d'avoir la forme. Et même, tu vois, après, ils avaient un terrain de basket, j'avais un ballon, je jouais tout seul, des fois, sans mes potes, puisque la plupart de mes potes à l'époque, ils étaient pas super sportifs. D'un naturel curieux, Christophe s'est essayé à tous les sports, doué au tir à l'arc, adroit au tir à la carabine et au basketball. Performant en athlétisme, Christophe va finalement se consacrer au ping-pong. Pas vraiment meilleur dans cette discipline que dans une autre, c'est sa rencontre avec Guy Tisserand, alors numéro 1 français de tennis de table handisport, qui va finir par le décider. Enfin, déjà, tout ce qui nous a rapprochés dès le début, c'est le sport. Lui, il adorait le sport, moi, j'adorais le sport, donc voilà. Et puis, il y a le fait de sentir tout de suite... Une communauté un peu d'approche sur la pratique, sur ce qu'on aimait faire. Et puis, moi, à l'époque, j'étais 88, c'était la première fois que j'étais médaillé au jeu avec Christophe. Lui, il démarrait la pratique et j'ai tout de suite senti que il était à fond à mettre tous les moyens requis pour pouvoir atteindre le meilleur niveau possible. Et bon, du coup, ça a tout de suite fait tilt. Bon, après, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire, il y a sa personnalité, la mienne, ça collait bien. On avait 12 ans d'écart, mais en même temps, on avait l'impression que voilà, on se connaissait depuis toujours assez rapidement. Christophe a une approche du tennis de table un petit peu différente, enfin, il a eu un parcours différent, et passé dans les mains, par exemple, de Guy Tisserand, qui a été également champion paralympique en tennis de table, qui lui a, je pense, donné... Cette fibre, donner cette envie de se battre. Parce qu'un joueur comme Guy Tisserand, un point, c'était un point. Un point, ça ne se lâchait pas à aucun moment. Et je pense que Chris, il l'a peut-être eu par l'intermédiaire de Guy Tisserand. Cette rencontre-là, elle est capitale, quoi. Si lui, il n'a pas l'envie de passer un peu de temps avec moi et de se dire, bah, tiens, lui, il peut y arriver. Je sais pas si j'arrive un aussi vite et deux aussi haut, quoi. Donc, après, lui, enfin, tu vois, il me donnait 2 heures de son temps, il me faisait des séances de ping, il rentrait, mon cerveau, il tournait à 10 000 pour me dire, attends, il faut que j'arrive. Tu vois, un mec comme ça qui te dit, t'es pas doué, mais comme t'es pas con, tu peux y arriver. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, moi, si Gasquet, quand il avait 5 ans de moins, t'as Sampras qui va le voir et dit, écoute, toi, tu vas un jour prendre ma place. Tu te dis, mince. Donc, tu vois, il y a aussi ça, de se dire, tiens, je peux peut-être réaliser une partie de ma vie dans le sport. Et après, mais rapidement, quoi. J'ai dit, mon fou, ce sera le sport. Et le sport va me permettre de trouver du boulot et le sport va me permettre d'avoir une vie. Véritable machine de travail dans le sport comme dans la vie, Christophe ne calcule pas ses efforts pour arriver à ses fins. Pour ses proches et ses coéquipiers, sa force de caractère a considérablement pesé dans sa réussite et notamment sportive. Pour eux, il n'y a aucun doute, sans son mental, Christophe ne serait jamais arrivé aussi haut. J'ai jamais vu un athlète se donner autant les moyens de réussir. Christophe, c'est une bête d'entraînement. Il a cette capacité à se donner tous les moyens pour réussir. Parce que, à savoir peut-être que son point faible, c'est peut-être pas aussi, au tennis de table, du moins, c'était peut-être pas le plus doué, quoi. Celui qui a la meilleure technique, celui qui a la meilleure touche de balle. Mais par contre, il avait cette capacité
à s'entraîner peut-être deux fois plus, trois fois plus que les autres. Et c'était vraiment son point fort, en plus d'un mental de tueur, vraiment de sportif de haut niveau, un mental de gagnant, quoi. J'ai un souvenir très frappant, c'était quand notre premier stage équipe de France, vraiment équipe de France, on était tous les deux dans la même piole, et on se disait, oh là là, est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à la hauteur du numéro 1 français, du numéro 2, parce qu'au tout début, quand même, on se prenait quand même quelques tôles, quoi. Et on se demandait bien si un jour on allait arriver, tellement qu'on admirait aussi les joueurs qui nous ont portés. Et petit à petit, à force d'entraînement, lui comme moi, on y est arrivé, quoi. Et lui encore plus que moi, quoi. Je me suis tout de suite fixé des objectifs élevés. Et pour atteindre ces objectifs, j'ai tout de suite mis des conditions d'entraînement et de préparation élevées. Et j'ai rarement, tant que je n'ai pas atteint l'objectif, c'est-à-dire tant que je n'ai pas été champion à Sydney, j'avais vraiment une vie de fou, quoi, qui était tournée que là-dessus, même un peu. Limite un peu trop, quoi, par rapport à la vie sociale et tout, mais ça a payé, quoi. Moi, je croyais qu'il faisait ça pour s'amuser, c'est tout. Mais aller si loin, non. Non. Et il a eu une volonté, beaucoup de volonté, hein, parce qu'il faut de la volonté, hein. Surtout quand on sait qu'on est handicapé, qu'on ne peut pas marcher et tout. Bien sûr. Oui, ça, c'est, ouais, c'était formidable pour lui. Chris, on voit bien que c'est sur les grosses compètes, vraiment, qu'il se focalise. On l'a vu à Sydney en 2000, on l'a vu au dernier jeu à Pékin, on l'a vu l'année d'après au championnat d'Europe en 2009. C'est quelqu'un qui, à la base, n'est pas forcément super doué. Par contre, il a bossé comme un cinglé. Je pense que j'ai bossé dur aussi. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on n'a pas ce petit avantage, ce petit don de la nature au départ. Et donc, ce petit don de la nature, il faut le compenser. Et on le compense justement par cette niaque peut-être hors du commun. L'envie et la détermination, deux mots qui reviennent sans cesse et qui guident Christophe depuis ses débuts dans le milieu pongiste. Au moment de préparer sa dernière compétition, le double champion paralympique compte plus que jamais s'appuyer sur son expérience et sa force mentale. Durant sa préparation, il connaît la joie de devenir papa. Les trois semaines qui suivent la naissance de sa fille, Christophe ne se consacre plus qu'à elle. Pour la première fois dans sa vie de sportif, le tennis de table est mis au second plan. Il ne touche pas de raquette et interrompt sa préparation. En plus de participer au dernier championnat du monde de sa carrière, il va devoir jouer sans s'être entraîné à la mesure de l'enjeu. Un défi de taille que Christophe et son entraîneur s'apprêtent à relever. En fait, on se fixe, sur les championnats du monde là, on se fixe une nouvelle gamme technique. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur une nouvelle approche technique dans son jeu. Et à partir de là, on essaye de mettre en place le vécu, donc avec toute son expérience qu'il a de sa technicité, et essayer de l'amener sur un nouveau mode de fonctionnement technique, donc technico-tactique. La préparation de Pékin, j'étais vraiment j'étais un cheval de course avec des œillères, quoi. C'est-à-dire, Eric, il m'aurait dit traverse le Rhône, j'aurais traversé le Rhône, quoi. Vraiment, et puis quand je repense à ce que j'ai encaissé physiquement, mentalement, je me dis que je suis vraiment un taré. Le fait d'avoir gagné, et puis
Parce que des fois, tu gagnes, mais tu joues moyen, et puis tu as un peu de réussite. Là, j'ai gagné, mais j'étais sur un nuage. C'est vrai qu'après, pour retourner au Mastic, c'est plus dur. Donc, j'y vais sûrement avec un peu moins d'enthousiasme. Et puis en même temps, je pense que je traîne un peu les pieds parce que je me dis, mince, c'est la dernière. Et que c'est un truc qui va me faire bizarre de se dire, voilà, cette salle, je ne vais plus y être 12 ou 14 ou 20 heures par semaine comme j'ai pu y être depuis 1995. Il a vraiment envie de bien faire et d'essayer de terminer sur une bonne note. Alors maintenant, c'est vrai que c'était assez compliqué la fin de notre préparation. Car il a eu un enfant au mois de septembre, et tout le mois de septembre, bon, on s'est vu très très peu. Mais on avait fait quand même un gros travail en amont sur justement, on s'était préparé, sachant qu'il y avait à avoir Laura qui allait être née au mois de septembre, donc il fallait bosser au mois de juillet-août pour essayer d'avoir un niveau. Comme c'est sa dernière compétition annoncée, j'ai mis l'optique sur le plaisir. C'est-à-dire, essaye de prendre du plaisir à jouer. C'est ta dernière compétition. Profite du moment, profite de l'instant et essaye de travailler justement sur l'instant. Sachant qu'il faut essayer de gagner, il faut essayer de bien jouer, mais vraiment trouver le plaisir avant tout, le plaisir de jouer. Malheureusement, pour sa dernière compétition officielle, Christophe passe complètement à côté de son sujet. Le manque de préparation et les événements récents ne lui permettent pas de trouver les ressources mentales nécessaires pour accrocher ses adversaires. Christophe repart de Corée du Sud sans la moindre médaille, conscient de ne pas avoir joué à son niveau. Ce sentiment des deux années que j'ai eues m'a donné un peu, pas de supériorité, mais de... Wow, de toute façon, c'est mon mental qui me fait souvent gagner, donc mon mental, il va être là. Mais en fait, j'ai pas pris en compte que le mental, il peut être là, que si physiquement, t'es bien, quoi. Il y a des moments, des mecs, ils me donnaient des alertes, même Maxime, même Greg, il est venu 2-3 fois chez moi, il m'a dit, putain, gars, fais gaffe, si tu vas en chier. Je dis, non, mais c'est bon, parce que... C'est vrai que comme on est tout le temps chez soi, même si je faisais beaucoup de choses, j'avais l'impression que ça allait, quoi. Mais je me suis vraiment rendu compte, quand il a fallu chercher les ressources mentales, et physique pendant les matchs, que il n'y avait plus rien, quoi. Disons que la Corée, difficile pour Chris, dans le sens où, comme il l'a dit, il était déjà avec l'état d'esprit d'arrêter sa carrière. Donc on en a parlé ensemble, peut-être qu'il aurait peut-être pas dû le dire qu'il arrêtait, parce qu'il est arrivé dans un autre état d'esprit, même si c'est un compétiteur né, donc il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il est arrivé avec avec cette image-là qui l'a un petit peu handicapé sur certains matchs pour aller chercher plus loin, parce que Chris, c'est une forte personnalité pour aller chercher loin les matchs, et je pense que là-dessus, c'était un vrai manque à la fin de la compétition, quoi. Il n'a pas su aller chercher le petit plus et de forcer un peu pour aller chercher la victoire. C'est sûr que si j'avais eu un bébé avant, je n'aurais pas fait la même prépa, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose de... Émotionnellement, on lâche beaucoup... au niveau de la fatigue, et à mon avis, c'est ce qu'il a fait. Et ça me conforte un peu, parce que je me dis que... Enfin, j'aurais perdu que des balaises en jouant super bien. Je me serais dit, les mecs ont été meilleurs que moi, il n'y a pas à dire. On a fait un match à l'arrache, le mec a mieux géré 2-3 points. Mais là, j'ai perdu que des mecs que je perds quasiment jamais, quoi. Le connaissant vraiment, il aurait vraiment aimé offrir, quand je dis offrir, une médaille à ses coéquipiers par équipe.
Ça, c'est, pour lui, c'est aussi un point important. C'est le simple, c'est une compétition, le par équipe, c'est une compétition. Et en plus, c'est un par équipe avec deux de ses meilleurs amis. Et il a vraiment envie de leur offrir des médailles, comme on dit. Et il n'a pas réussi. Donc je pense que ça, c'est peut-être que pour lui, même s'il ne l'a pas vraiment dit, c'est un petit point qui va rester dans son esprit. Surtout qu'il avait des coéquipiers qui étaient assez forts sur cette compétition. Donc ils n'ont pas réussi à aller au bout de leurs envies. À peine la dernière page de sa carrière tournée, tout le monde voit déjà en Christophe un futur très grand coach de tennis de table. Fort de son expérience et de son sens tactique, son entourage et les spécialistes sont persuadés qu'il en a toutes les qualités. J'ai vraiment le projet, parce que ça me botte, mais depuis que je joue au ping, ça me botte, d'être coach. Mais j'aimerais bien être coach de l'équipe de France, parce que moi, si on regarde mon palmarès, j'ai gagné deux fois la compète la plus difficile à gagner, mais la plus difficile, pas forcément sportivement, mais plus de tout l'environnement qu'il y a. Donc je sais que je dois avoir un truc que certains n'ont pas, parce qu'il y en a qui courent après une médaille dans cette compète-là, et j'aimerais le faire partager. J'étais aux premières loges de sa réussite, et j'étais à l'échauffement avec lui tous les matins, tous les après-midi. Donc j'ai vraiment appris énormément à ses côtés, et je continue à apprendre. Et j'espère que je continuerai encore à apprendre beaucoup, beaucoup de lui. Que justement, j'espère en tout cas que la Fédération française fera l'effort de le prendre dans le staff, parce que la valeur ajoutée qu'il peut apporter à des membres de l'équipe de France est énorme. Si rien n'est encore tracé pour Christophe, l'avenir lui tend les bras. Après avoir tant bataillé pour devenir le champion qu'il est aujourd'hui, un plus grand défi l'attend, celui d'être un bon père. Pour ses collègues de bureau à la région Rhône-Alpes où il travaille, ses coéquipiers en équipe de France et ses amis, Christophe s'arrête donc au bon moment pour se consacrer entièrement à sa nouvelle vie. C'est bien d'arrêter quand on est en haut. C'est jamais très bon pour n'importe quel sportif de se sentir un petit peu affaibli, de commencer à perdre des matchs. Je pense peut-être qu'en plus, pour une personne handicapée, ça a un écho encore plus important que chez un sportif valide. Donc, c'est pas la peine de risquer le diable. Par ailleurs, Christophe a eu quelques événements familiaux qui, à mon avis, sont encore plus importants que le sport de haut niveau ou que notre métier de bon niveau. Et il faut qu'il vive ça. Et quelque part, ça, il ne le revivra pas. Il a vécu des Jeux Olympiques, il a vécu des belles réussites professionnelles. Maintenant, une réussite familiale, ça ne se contourne pas. Je pense que c'est bien parce que vraiment, il a un parcours exceptionnel, des victoires exceptionnelles. Je pense qu'il arrête au bon moment. Ça va lui éviter certainement de vivre des déceptions, des désillusions quand on pousse trop loin. En plus, il vient d'avoir une petite fille, donc c'est merveilleux. Il faut qu'il fasse aussi son parcours, un autre parcours que sportif de haut niveau, partir tout le temps, s'entraîner tout le temps. Je crois que maintenant, il faut qu'il se donne pour lui, pour son métier, pour sa famille. Donc je pense que c'est le bon moment pour partir. Je suis très heureux d'arrêter, et plein de gens vont dire que je suis taré, mais c'est vrai. Parce que je vais avoir du temps pour ma famille, ma copine, ma femme, ma fille. Enfin, du temps pour ma famille, ma vraie famille, ma mère, mes frères et mon frère et ma sœur, tout ça. Et puis pour faire autre chose, des amis, la vie sociale, mon boulot aussi un petit peu plus. Et en même temps, ça va me manquer énormément. Ben, je dis c'est un bien pour sa femme Karine. Et puis comme maintenant ils ont le petit, Laura. La petite, quoi. Moi, je dis toujours le petit. Eh bien, oui. Et lui, il a envie de ça. Il faut qu'il s'occupe de... Oui, il aime ça. Lui. Voilà, il est comme moi, un peu. Hein. Rester en famille, tout le temps en famille. Mm-hmm. Que pendant des années, il n'était jamais là. Après des années d'efforts et de sacrifices, Christophe va enfin pouvoir se consacrer entièrement à sa vie de famille. Ce qui constitue là, sans doute, la plus belle des récompenses.